Son daron tape dans le bâtiment, lui il est dans le bas. Les gens lui disent c'est un diban, il prend des claques. Salut tout le monde, c'est Azrox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.35 pour un tout nouveau glitch. Cette fois pas de tenue mais pour être invisible sur le radar. Donc vous devrez prendre un véhicule civil et en fait vous allez devoir le rentrer dans un garage plein puis le remplacer par un autre véhicule. Donc déjà il faudra remplir un garage, donc vous remplissez soit de voiture civile ou de héligui. Donc là vous remplacez n'importe quelle voiture. Donc là vous reprenez la voiture que vous venez de remplacer, donc celle qu'on vient de prendre dans la rue. Donc là vous allez sortir avec, la garer sur un côté et peu importe le garage que vous avez. Donc de préférence cet appartement là, donc l'appartement à 500 000 ou à 1 million comme vous voyez. Donc là vous le posez sur le côté ou quand vous voulez. De toute façon il faut que ce soit pratique pour la faire exploser plus tard. Donc là vous allez devoir attendre un autre véhicule civil que vous pouvez rentrer dans votre garage. Une fois que vous aurez un autre véhicule civil, là ça va être vraiment très simple. Ce sera la partie la vraie plus dure on va dire. Donc vous devrez sélectionner les grenades. Donc là vous la lancez pas tout de suite. Là vous allez aller dans jouer, activité rapide, braquage, puis rejoindre le salon directement. Donc là vous allez devoir lancer la grenade pour que le véhicule s'il va péter. Donc là vous acceptez et ça va vous faire rentrer. Et là vous attendez bien d'entendre l'explosion pour accepter le message comme quoi votre garage est plein. Donc une fois que vous avez entendu l'explosion, là vous allez remarquer que en fait vous allez cliquer sur la case vide pour en fait vous allez remplacer un véhicule qui n'existe pas. Et là ça va vous lancer en même temps la recherche d'activité. Et là tous vos véhicules vont disparaître. Donc ne vous inquiétez pas, ils vont pas disparaître. Quand vous allez retourner dans une session, ils vont tous réapparaître, vous les perdez pas. Donc une fois que la mission s'est lancée, là il va falloir juste quitter en fait. Donc quand vous serez dans le menu comme moi là, vous quittez peu importe quand. Donc là vous allez tomber dans le vide, ou alors si vous avez de la chance vous pouvez tomber dans votre appartement avec des armes. Donc là vous allez tomber dans le vide et là en fait comme vous pouvez voir sur la minimap, la minimap est floutée. Et en fait quand vous agrandissez la map, vous voyez que votre point est toujours à l'appartement à 500 000 alors que moi j'y suis pas. Donc vraiment vous pouvez vous déplacer partout sur la ville et les gens vont croire que vous êtes à l'appartement à 500 000 ou à 1 million. Donc vraiment c'est un glitch sympa et funny à faire en même temps. Si vous voulez faire un cache-cache avec vos potes et que vous n'êtes pas sûr qu'ils retirent la carte, ça peut être pas mal. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bye tout le monde.